Crashes are inevitable in the Tour de France, but it doesn't have to mean dropping out of the race entirely, if you can get medical help on the go. That's why the Tour puts medics on wheels. A team of doctors drives every inch of the course with the peloton, offering medical attention at 25 miles per hour without requiring the rider to stop. Je suis le directeur médical du Tour de France. Voilà, je m'occupe de toute l'équipe médicale sur le Tour. C'est une équipe qui est dédiée à l'urgence en course. Each stage has 4 ambulances sprinkled through the race, 2 convertibles full of doctors, and a total staff of around a dozen. Ensuite, j'ai 2 cabriolets. Moi, je suis le premier cabriolet, je suis le peloton tout le temps. Bon, ça permet de soigner les petits bobos à la portière, ça permet de s'arrêter sur les grosses chutes et de dispatcher ensuite les ambulances derrière. They can also diagnose injuries with sonogram and x-ray machines in a truck at the finish line. On peut tout faire, la bobologie jusqu'à la détresse vitale. Donc lui, il s'accroche et à partir de là, il fait bloc avec le véhicule. Donc c'est comme si j'avais un passager à côté que je soigne. Donc c'est pas si difficile que ça si on comprend un peu la physique du mouvement, quoi. One exacting patient at this tour has been EF Education First's Lawson Craddock, who suffered a broken scapula, or shoulder bone, and a cut above his eye in stage 1. Unfortunately, a rider in front of me dropped a water bottle, a full one, and I just kind of hit it straight on, and it just sent me flying off the side of the road. Pretty much knew immediately something wasn't right, especially my shoulder. I felt a lot of blood coming out of my face, but trying to hold on to a car on a bike while going, you know, 30, 40 miles an hour with a fracture in the scapula is not pleasant. Voilà, parce que c'est vrai, quand ils tombent, ils se font, c'est pas énorme, mais ils se font mal. Enfin, c'est tout râpé, il y a des érosions importantes, des brûlures. Donc nous, on est là pour essayer de... On est surtout là pour la douleur. They did a great job. They kind of stemmed the bleeding on my face, and I was able to, you know, manage pain enough just to make it to the finish. So big thanks to them for working hard and just keeping me safe. Bon, ils ont une stratégie, hein, donc faut pas leur dire, allez, viens te faire. Faut les laisser faire. Ils sont pas là pour rien, les pauvres. Donc c'est sûr qu'ils aimeraient continuer. Bon, après, quand c'est trop douloureux, ils jettent l'éponge. Quand vraiment, ils savent. The in-race medics can only do so much. Ultimately, the call to stay in or drop out is up to the rider and his team doctor. For Craddock, the race continues. Nous, on est là pour les aider. Ce sont des décisions collégiales avec eux. Hein. Ils sont majeurs et vaccinés. Ils sont intelligents. Ils discutent avec leur médecin. Bon, voilà. Après, ils prennent des décisions. Bon, voilà, il n'y a pas. Enfin, Dieu merci, on n'a quand même pas des choses vitales à chaque coup. Hein.